Bon, c'est bon, vas-y frère, c'est bon, vas-y, recule. Salut tout le monde, c'est Mikalash. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va tout simplement piéger un escroc sur le bon coin qui vend un t-shirt Louis Vuitton de contrefaçon. Donc pour cette vidéo, j'ai récupéré cette vieille casquette, je sais pas si vous vous rappelez, que j'avais eu déjà d'un ancien escroc sur le bon coin que j'avais piégé dans une ancienne vidéo. Oh mais tous les deux, je l'ai barré dans le coffre. Y'a quoi que vous comprenez pas là? Vous prenez... Du coup, pour ce prank, comme je vous ai dit, j'ai contacté un escroc qui voulait faire un échange. En fait, il voulait échanger son faux t-shirt Louis Vuitton, qui faisait bien sûr passer pour un vrai, contre un vrai article. C'est pour ça que je lui avais proposé de lui échanger cette casquette qui est bien sûr fausse, mais ça, il ne le sait pas encore, avec 50 euros en plus. Donc, bien évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un maximum de likes en dessous de cette vidéo si elle vous plaît. Comme vous le savez, c'est le meilleur moyen de me soutenir. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les futures vidéos. Et n'hésitez surtout pas à partager cette vidéo afin qu'elle puisse se propager et atteindre un maximum de monde. Sur ce, c'est tout ce que j'avais à vous dire. C'est parti. Pensée marginale, une croissance anormale. Ah, ouais, je suis pas normal, de naissance anormale. Façon de penser marginale, une croissance anormale. Ouais, l'équipe, c'est bon, c'est lui là juste devant. Donc on va le piéger tranquillement. Je vais faire le tour. C'est parti. Excuse-moi, frère. Est-ce que. Genre, c'est très 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 lourd. Est-ce que tu peux m'aider, genre, juste à le. À le porter 2000, s'il te plaît. Ça va lâcher, frère. Ça va. Oh, ah putain. Ah, vas-y, ne me touche pas. Reste en place. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pourquoi tu jettes ça dessus? C'est une blague, frère. C'est une blague, moi je rigole pas comme ça, rigole pas avec moi. Attends, t'as un truc dans les cheveux. Ah, t'avais un truc dans les cheveux. Recule. Tu viens, je me jette dessus comme ça, c'est bon, tu blagues avec moi. C'est une blague. C'est moi pour le bon coin, frère. C'est toi pour le bon coin? Mais oui, c'était une blague, frère. Mais cousin, rigole pas comme ça, frère. Mais non, regarde, c'est de la mousse en fait. Qu'est-ce que tu racontes, frère? Moi d'habitude je suis équipé, mais vas-y, fais pas ça, frère. Équipé de quoi? Bah, je suis toujours équipé. Tu crois quoi, frère? Tu crois que t'es. T'es une Mercedes? Genre tout équipé, frère. Toi, t'es. Tu parles, mec. Toi, frère, t'es une. Qui je suis, moi? Toi, t'es une Clio, frère. Vas-y, ne touche pas, reste tranquille. Faut pas de ma gueule comme ça, reste tranquille, reste tranquille. Moi je viens pour le verre le dieu, faut pas de ma gueule comme ça. Arrête de faire le fou, tu sais qui je suis moi. De faire le fou. Ah, moi je viens du quartier, mec. Oh. Mais qu'est-ce que je m'en de ton quartier, tu viens de rien du tout, frère. Oh, frère, deux minutes. Vas-y. Qu'est-ce que tu fais là? Dis quoi ça? Touche pas à ça, c'est de la mousse, c'est des fausses briques. T'es un golemon ou quoi? C'est moi qui viens pour l'annonce. C'est moi pour le bon coin. Viens correctement alors. Pour l'échange. Tu viens, tu me jettes un dessus, mec. Mais frère, regarde, je te montre. Ça, c'est de la mousse, regarde. En gros, ça, tu vois. Ça, là. En gros, tu vois ça. Ça. Ça, c'est de la mousse. C'est bon, tranquille, c'est bon. Arrête. Touche pas, vas-y, reste tranquille, c'est bon. Arrête, reste tranquille, toi. Reste-toi tranquille. On se calme. Ne dis pas que je me calme. Viens, on s'assoit, frère. Je parle bien ça, vas-y, je t'explique. Oh, attends, tu peux me laisser parler 2 minutes, frère? Vas-y. Je t'explique, on est parti sur de mauvaises bases. Du coup, on va repartir de zéro, tu vois. Enchanté, je m'appelle Edouard. Et du coup, enchanté, genre, je viens pour l'annonce sur le bon coin, monsieur. J'aimerais vous échanger votre beau t-shirt Louis Vuitton contre ma casquette Lacoste, dépourvu de 50 euros supplémentaires, comme il était demandé, pour atteindre votre objectif. C'est bon, tu vois. Là, tu parles correctement, moi, y a pas de soucis, frérot. Ça va, tranquille, frère, c'est bon. Alors, fais voir, montre-moi l'engin, comme on dit. L'engin. Vas-y. Ah, je reviens, tu as vu. L'engin, il est là-bas. Tiens, Louis Vuitton, comme convenu. Ouais. Voilà. Donc, Attends, je peux regarder, vite fait. La taille M, c'est ça? C'est bon. Ouais, il est bon, frère. Hein. C'est le bon. Voilà, t'as vu, je l'ai acheté au magasin. Ouais. Attends, frère. Oh, frère, c'est pas fait pour ça. Mais qu'est-ce que tu fais? Genre... Regarde, frère, non, je vais regarder 2 minutes. Par contre, j'ai une petite question, frère. Ouais. Genre, moi, je m'y connais pas trop, tu vois. Mais ça, regarde, tu vois ça. Je vais t'expliquer. Attends, là. Là, t'as vu, c'est marqué Louis Vuitton. Ouais. Mais frère. Ça, la vie de ma mère, ça. La vie de ma mère, frère. C'est pas Louis Vuitton. C'est Louis Piton, frère, il en pite. Qu'est-ce que tu racontes, c'est Louis Vuitton. Frère, attends, écoute-moi. C'est Piton, mec, là, tu t'es cru Jurassic Park, la... je sais pas quoi. La tête de ma mère, frère, ça c'est Louis Piton, frère. Il en pite d'état. Mais vas-y, qu'est-ce que tu as? Tu connais pas, tu... Hey, regarde bien. Louis Vuitton, hein? Louis Vuitton. Mais c'est qui, lui? Comment ça, c'est qui, lui? Lui, c'est genre... Tu connais pas, lui? Lui? Louis 14. Louis XIV? Ah ouais, Louis XIV, 8 ans. C'est comme ça qu'on le disait. Qu'est-ce que tu racontes, frère? Ah frère, regarde, LV. Tu vois, le V, c'est les chiffres romains. Ça fait 4. Tu vois, L14, ouais. Tu vois, Louis XIV, 8 ans. Juste avant, est-ce que je peux regarder un dernier truc avant de sortir la casquette? Je sais pas, tu l'as la casquette? Ouais, je l'ai. Je l'ai, t'inquiète, fais juste voir un peu. Vas-y. Parce qu'en fait, genre, il y avait comme une odeur, tu vois. Et j'étais pas. Attends, fais voir.
Mais quelle odeur, mec! Oh! Attends, frère, parle un peu. Oh! Ah, frère, non! C'est toi, en fait! Moi, ça, c'est moi! Ah, frère, tu poules la gueule, frère! Mais vas-y, oh! Oh, respect, respect! Respect-moi! Oh! Touche pas déjà! Toi, tu me connais pas! Je sors de tôle, là, il y a une semaine! Eh, frère, qu'est-ce que tu sors de tôle? Je vais te dire un truc, frère! La seule tôle que tu connais, c'est la tôle sur les immeubles, frère. C'est la tuile, frère. Toi, tu connais que les tuiles. Mais c'est qui, toi? Tu me parles comme ça, toi? Attends, frère. La seule tôle que tu connais, toi, c'est un matériau. Vas-y, touche pas. Qu'est-ce que tu fais? Ne touche pas, et tu me parles pas comme ça. Les mains. Ne touche pas, frère. Là, ils vont débarquer, là. Bon, vas-y. Là, on va débarquer à 5 et on va te soulever, là. Vas-y. On va faire un truc, frère. Là, ton t-shirt Louis Vuitton, je veux bien te faire un échange. Mais ce sera pas contre la casquette. Comment ça? En gros, moi, ce que je te propose, tu vois, si tu veux, je te propose ton Louis Vuitton contre mon cheese. Mon double cheese. J'en ai un fond de ton cheese. C'est un double cheese. Mais j'en ai un fond, mec. Tu me perds mon temps là-haut. Mon cheese, qu'est-ce que tu fais? J'ai des trucs. Vas-y, recule. Ah, mais j'ai des trucs à faire. Oh, je joue pas avec la nourriture, frère. Qu'est-ce que tu fais là? Je joue pas avec la nourriture, frère. Ta nourriture, tu peux la foutre là où je pense. On joue pas avec la nourriture, frère. T'es un malade, toi. Foutre ta nourriture. Oh, tu m'as dit. Viens, moi j'échange avec la casquette. Il est où la casquette? Moi je viens pour la casquette, j'en ai un ton sandwich. Tiens, prends le sandwich, passe-moi le t-shirt. Qu'est-ce que tu fais là? Mais qu'est-ce que tu fais, gros? Oh, le t-shirt, gros. Oh, il est tombé. Il est en piteux état, frère. C'est plein de piteux état. Il est tombé, oh, t'as pas vu, il est tombé. Vas-y, frère, viens. Viens voir, frère. Passe-moi le t-shirt, je te passe le cheese. Prends le cheese, vas-y. Prends le cheese. J'en ai un fou de ton double cheese, j'ai dit oh. Mais pourquoi tu joues avec la nourriture? J'en ai un fou de ton. Il est tombé par terre, vas-y, touche pas au cheese, gros. Ah, tu l'as puni, il est tombé par terre maintenant, t'as gaspillé la nourriture. Oh, t'es un malade, toi, frère. Tu gaspilles la nourriture, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'es par terre comme ça? Tiens, prends ça, vas-y, recule, vas-y, recule, c'est bon, recule, parce que le fou. Pourquoi tu fais le fou? Tu me touches, je te couche. Qu'est-ce que tu couches, frère? La seule personne que tu couches, c'est ta mère, frère. Vas-y, recule. Recule. Vas-y, je vais appeler les frères. Oh. Qu'est-ce que tu vas appeler les frères? Soit tu sors la casquette pas toi, soit j'appelle les frères. C'est quoi, viens, c'est bon, frère. On arrête de Sambucan. Viens, on arrête de Sambucan, frère. Tu m'écoutes? Vas-y, je vais te sortir la casquette. C'est bon. On oublie les antécédents qui sont passés, on oublie. On repart sur bonne base. Voilà, la casquette, regarde, elle est juste là, frère. Elle était là depuis le début, frère. Tu vas rentrer dans ton cul là. Bon, ça va, frère. Vas-y, putain, t'es crade, toi. Mais ça va, frère, je me suis lavé. T'es crado, regarde. Ah, tu sors de son cul. Frère, mais non. Mais c'est bon. Tu m'as fait payer pour rien ici ou quoi? Je me suis lavé il y a une semaine. J'en ai rien à foutre. Et essaye là pour voir. Oh, tu te lâches pas avec ton truc. Bon, frère, dis-moi concrètement la vérité. On fait quoi là? Tu la prends ou tu la prends pas? On fait l'échange ou on fait pas l'échange? Mais qu'est-ce que je vais prendre, putain? Oh, regarde comme il est sale, il est crade, tu sors de ton cul. Oh, attends, c'est quoi ça? Attends, mais frère, j'ai pris une douche il y a une semaine. Attends, j'en ai un foutre, tu peux même prendre ta douche il y a 5 minutes, j'en ai un foutre, tu sors de ton. C'est quoi ça? Touche pas trop là, toi. C'est quoi ça? T'es en train de la salir avec tes grosses mains. Oh, tu te fous de ma gueule! Pourquoi? Ah, tu te fous de ma gueule! Qu'est-ce que tu m'as fait venir pour rien? Comment ça, je fais venir pour rien? C'est contrepassant ton truc! Comment ça, c'est quoi cette. En vrai, putain, mais oh! Ça, j'en peux en trouver plein à 5 euros moi! Comment ça à 5 euros? Moi je t'en trouve ça à 5 euros dans le marché. Mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Tu m'as fait venir pour ça? Ah, je l'ai acheté au marché celle-là. Mais sur qui je suis tombé? Comment ça sur qui t'es tombé? Oh, tu m'as fait venir. Moi j'ai fait le trajet. Ouais. Je viens avec tout machin, tu me sors ça. Ça tu peux te la refoutre dans ton. Voilà, bah tu peux te la foutre là où je pense et tu peux t'asseoir dessus. On fait comment alors? On fait rien. Tu veux l'essayer? Non, je veux pas essayer. Tu te. Tu lui donnes même pas sa chance, frère. Sa chance. J'ai de la chance de quoi? Pas de la chance, je viens de sortir de prison, je vais pas retourner. Écoute-toi bien, toi. Quoi? Tu sors maintenant ton argent, ton téléphone, j'en ai rien à foutre. Ah, frère, ta chaîne, juste ton pull et ton bonnet, tu me le donnes maintenant. Juste, frère. Tu peux reculer un peu, on va prendre un périmètre de sécurité parce que tu poutes la gueule, frère. Ouais, t'es en train de me faire. Rien à foutre. Une agression nasale, frère. D'accord? Je vais faire quoi sur l'argent? Les couses, vas-y, bah appelle les couses. Je vais les appeler. T'es un homme? Tu fais le mariole depuis tout à l'heure. C'est quoi, on va faire un truc? J'en ai rien à foutre, arrête de parler. Qu'est-ce que t'as? Arrête de parler, là c'est fini. Là, on parlait au début, là c'est fini, tu me sors, j'ai de l'argent maintenant. Bouge pas. Là, j'appelle. Vas-y, c'est bon, regarde, reste là 2 minutes. Je reviens dans 2 minutes, tu bouges pas. De toute façon, tu vas faire quoi? T'as besoin de tes couilles pour faire le mariole? Reste là 2 minutes, si t'as un homme, ouais, okay, on va voir. Vas-y. Oh mec, qu'est-ce que tu fais là? Bouge pas. Ça fait distance. T'as vu cette eau là? C'est l'eau que je suis allé chercher dans la rivière. Sans, juste sans. Touche pas. Tu sens l'odeur qui en dégage. Là, c'est toutes les. Tu vois? Et alors, qu'est-ce que tu parles de.
ça, va chercher l'argent, c'est ça. Pas qu'il cherche de l'eau. Maintenant, passe-moi le t-shirt. Pose-le par terre le t-shirt. Pose. Pose, recule un tout petit peu, fais deux pas en arrière. Bouge pas, tente rien, ça va partir. Non, non, recule, recule, recule. Recule, 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 voilà. Voilà, recule, 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 recule. Recule. Hop, tu vois le t-shirt. Bien comme ça, dans l'eau bien dégueulasse. Voilà, regarde ton t-shirt. Maintenant, frère, récupère-le. Comme ça, récupère-le, le t-shirt, et maintenant. Ouais, je suis pas normal, de naissance à l'emballe. Ma façon de penser marginale, une croissance anormale. Ouais, je suis pas normal, de naissance à l'emballe. Ma façon de penser marginale, une croissance anormale.